L hernie discale Les meilleures options de traitement l Hernie discale spinale, également connue sous le nom d'une hernie discale, est une condition médicale qui affecte la colonne vertébrale dans laquelle une déchirure dans le anneau fibreux externe d'un disque intervertébral permet, partie centrale souple pour renflement au-delà des anneaux extérieurs endommagés. L hernie discale est généralement due à la dégénérescence de l'annulufibrosus lié à l'âge, bien que les traumatismes, les blessures de levage, ou des formations ont été impliquées. Les larmes sont presque toujours postérolatérales dans la nature en raison de la présence du ligament longitudinal postérieur dans le canal rachidien. Cette déchirure dans l'anneau du disque peut entraîner la libération de médiateurs chimiques inflammatoires, qui peuvent directement causer une douleur intense, même en l'absence de compression des racines nerveuses. Ernies discales sont normalement un développement ultérieur d'une saillie du disque existant précédemment, une condition dans laquelle les couches les plus externes de l'anneau fibre sont encore intactes, mais peuvent renflement lorsque le disque est sous pression. Contrairement à une hernie discale, aucune de la partie centrale échappe au-delà des couches extérieures. La plupart des hernies mineures guérissent en quelques semaines. Les traitements anti-inflammatoires pour la douleur associée à une hernie discale, protubérance, renflement, ou un disque larmes sont généralement efficaces. Hernies graves ne peuvent pas guérir de leur propre gré et peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. La condition est largement considérée comme une hernie discale, mais ce terme ne sont pas médicalement précis que les disques intervertébraux sont fermement attachés entre les vertèbres et ne peut pas glisser à sa place. Si vous avez déjà vu une image ou une radiographie d'une colonne vertébrale vous avez probablement remarqué qu'il est composé de nombreux disques. Si vous regardez attentivement, vous verrez les disques sont tous connectés et semblent être empilés les uns sur les autres. Pour une meilleure idée de ce qu'est un disque, est en fait l'image d'un beignet. Il dispose d'un milieu très doux, ou au centre, qui est enfermé par une couche plus dure à l'extérieur. Ceci est similaire à un disque dans votre colonne vertébrale. La substance gélatineuse sur les actes à l'intérieur comme un coussin pour fournir une protection. Une hernie discale se produit lorsque cet intérieur doux, comme de la gelée, pousse à travers à l'extérieur du disque, comme de la gelée qui a échappé au centre de votre dos. La plupart hernie discale se produit dans le bas du dos, mais peut également se produire dans votre cou. Vous pouvez avoir une hernie discale sans le savoir. Seul un médecin peut diagnostiquer une hernie discale. Si vous pensez que vous souffrez de cette condition, Visitez un chirurgien orthopédiste Orlando pour les options de traitement. Hernie traitement disque à Orlando. Orthopédique centra hernie discale se produit lorsqu'un disque intervertébral perd l'élasticité et les ruptures, l'expansion au-delà de sa limite prévue. Une hernie discale est le plus souvent le résultat d'une liée à l'âge, usure progressive, communément appelée dégénérescence discale. Cela signifie que les disques perdent la teneur en eau, gelée perdant ainsi la flexibilité et sont plus susceptibles de se déchirer ou de rupture, même sous la pression mineure. La plupart du temps, les gens ne savent pas exactement quand le disque est devenu endommagé. Pour certains, les hernies discales surviennent avec la levée irrégulière ou de tordre le dos lorsque vous soulevez un objet. Très rarement, une hernie discale peut être le résultat d'un événement traumatique comme une chute. Les symptômes d'une hernie discale. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas de symptômes apparents associés à une hernie discale. Mais comme le disque commence à faire pression sur un nerf, alors il peut y avoir un certain nombre de symptômes. Certains des symptômes possibles comprennent douleur dans le bas du dos, la douleur qui tire vers le bas de la hanche et de la jambe, même à la cheville ou au pied, engourdissement ou une sensation de picotement dans une jambe, les spasmes musculaires ou douleur musculaire profonde. Faiblesse dans l'une ou les deux jambes L'une des principales causes de la hernie discale est la perte de teneur en eau que nous vieillissons. Ce retrait de disque fait partie du processus de vieillissement naturel, qui ne peut être évité. Cependant, il y a quelque chose qui peut être fait pour aider à prévenir l'hernie discale chez certaines personnes. Toujours soulever correctement en utilisant les jambes et non le dos, et ne retenez pas votre respiration de levage. Éviter de fumer complètement. Maintenir un poids santé. Éviter d'effectuer des activités pénibles sur une base régulière. Obtenez le soulagement de la douleur avec des remèdes maison naturels de nos lecteurs qui offrent le traitement des symptômes de la hernie discale. Le premier symptôme est beaucoup de gens ont des maux de dos, mais étonnamment, certains vont éprouver peu ou pas de douleur de ce problème. Dans tous les cas, cependant, il est important d'obtenir un traitement efficace pour prévenir d'autres dommages. Nous avons fait les recherches pour vous et venir avec une collection de remèdes naturels et maisons pour traiter votre inconfort. Trois des meilleurs traitements à domicile sont la cure commune, le yoga ou des étirements et du danseau. Une hernie discale également connue sous le nom d'une hernie discale ou une rupture est une question qui implique l'un des coussins caoutchouteux entre les hausses individuelles dans votre colonne vertébrale ces disques peuvent être comparés à un beignet faute d'un meilleur visuel en ce que les disques ont un centre mou dans un extérieur robuste la condition se produit lorsqu'une partie du fluide doux à l'intérieur du disque pousse à travers une fissure dans l'extérieur une hernie discale peut provoquer une irritation des nerfs voisins, entraînant des douleurs, un engourdissement ou une faiblesse dans un bras ou d'une jambe. Certaines personnes, cependant, aucune douleur et le problème est identifié seulement par imagerie vertébrale. Comme les conditions avec le dos et la colonne vertébrale sont si sensibles, il est vraiment préférable de consulter au moins un traitement de médecin concernant. Cependant, vous pouvez utiliser le traitement des maux de dos de manière holistique avec un certain nombre de remèdes maison et réduire votre risque pour d'autres problèmes. Nos lecteurs ont offert un large éventail de remèdes alternatifs pour hernie discale et les autres problèmes de dos, qui sont tous disponibles pour vous. Selon des preuves anecdotiques et la poursuite de notre recherche, trois des meilleurs remèdes holistiques pour une hernie discale sont Curcumine, le yoga et le danseau. Curcumine. La curcumine est l'ingrédient actif dans le curcuma. Ce composé est anti-inflammatoire et sert d'antioxydant. En tant que tel, il soulage l'inflammation dans le dos et contribue à éradiquer l'une des excès de liquide qui a fui hors de la hernie discale. Yoga. Le yoga est l'un des absolus les meilleures formes de traitement pour les problèmes de dos. Structuré d'étirement non seulement allonge le corps, mais renforce aussi le noyau. De sorte qu'il aide à soulager la pression dans le dos et empêche d'autres problèmes de dos. Danseau. Danseau d'iméthyl ou est un composé organique du soufre. Les composés soufrés sont responsables de la création de nouvelles cellules et le maintien de la vie, ainsi que désintoxiquer le corps. En tant que tel, le Danseau est particulièrement efficace pour le traitement d'une hernie discale. Que vous ressentez de la douleur de votre hernie discale ou non, le traitement à au moins maintenir la force et la structure de votre dos est important. Donnez une de ces options à essai ou continuez à lire ci-dessous pour obtenir des conseils de lecteurs cliniques de la Terre qui ont essayé divers suppléments pour guérir une hernie discale. S'il vous plaît, laissez-nous savoir les remèdes ou des suppléments qui vous ont aidé à récupérer d'une hernie discale. Certains des termes couramment utilisés pour décrire l'état comprennent disque, disque prolapsus, hernie discale, hernie discale, et hernie discale. D'autres phénomènes qui sont étroitement liés comprennent la saillie du disque, les nerfs pincés, la sciatique, la maladie discale, dégénérescence discale, une maladie dégénérative du disque et le disque noir. Le terme populaire glissé disque est un abus de langage. Comme les disques intervertébraux sont étroitement pris en sandwich entre deux vertèbres auxquelles ils sont attachés, et ne peut pas en fait glisser, ou même sortir de lieu. Le disque est effectivement cultivé conjointement avec les vertèbres adjacentes et peut être pressé, étiré et tordu, tout en petits degrés. Il peut également être déchiré, déchiré, herni, et dégénéré, mais il ne peut pas glisser. Certains auteurs considèrent que le terme herni discal est nuisible, car elle conduit à une idée erronée de ce qui est arrivé, et donc de l'issue probable. Cependant, au cours de la croissance, un corps vertébral peut se glisser par rapport à un corps vertébral adjacent. Cette malformation congénitale est appelée spondylolisthésis. La plupart des auteurs préfèrent la dégénérescence du disque intervertébral comme la principale cause de hernie discale et citent un traumatisme comme une cause faible. La dégénérescence discale se produit à la fois avec la maladie dégénérative du disque et le vieillissement. La dégénérescence du contenu du disque, le noyau pulpeux et l'anneau fibreux, sont exposés à des charges modifiées. Plus précisément, le noyau devient fibreux et rigide et moins en mesure de supporter la charge. La charge est transférée à l'annulu qui, si elle ne parvient pas à supporter la charge accrue, peut conduire au développement de fissures. Si les fissures atteignent la périphérie de l'annulu, la matière nucléaire peut passer à travers comme une hernie discale. Hernies discales peuvent résulter de l'usure générale, comme lors de travaux qui nécessitent une constante assise et accroupie ou la conduite, mode de vie sédentaire. Cependant, les hernies résultent souvent d'emplois qui exigent de levage. Les athlètes professionnels, en particulier ceux qui jouent les sports de contact, sont sujets à des hernies discales. Dans un tel contexte sportif, il est souvent le résultat d'impact soudain contondant contre, ou flexion brutale ou des mouvements de torsion de la zone vertébrale. Maux de dos et la fatigue mineure de dos chronique sont des indicateurs de l'usure générale qui prédisposait à une hernie de la survenance d'un événement traumatique, comme la flexion pour ramasser un crayon ou de tomber. Lorsque la colonne vertébrale est droite, comme en position debout ou couchée, la pression interne est égalisée sur toutes les parties des disques. L'arnie du contenu du disque dans le canal rachidien se produit souvent lorsque la face antérieure, côté de l'estomac, du disque est comprimée en position assise ou penchée en avant. Et le contenu, noyau pulpeux, se pressait contre la membrane étroitement étirée et amincie, annulus fibrosus, sur la face postérieure, côté arrière, du disque. La dégénérescence du disque intervertébral est une maladie complexe et plusieurs gènes sont associés à son étiologie.